Il y a quelque chose dont je voulais parler depuis un petit moment. Enfin, je sens que c'est un sujet depuis un petit moment qui serait intéressant de creuser, ou en tout cas intéressant de développer avec vous. C'est comment Pillars of Eternity a raté la renaissance du jeu de rôle. En fait, donc Pillars of Eternity, c'est un jeu Obsidian de 2015. Et pour moi, il est assez emblématique du tournant que le jeu de rôle a pris à la fin des années 2000, en fait. Et ça, je pense que ça mérite qu'on fasse un petit retour là-dessus pour parler justement de cet aspect-là du jeu. Alors d'abord, un petit récap sur Pillars of Eternity 1. Vous savez que le jeu de rôle était quasi mort pendant les années 2000, avec seulement quelques boîtes qui font du RPG, comme Piranha Bytes qui faisait les Gothic, BioWare qui faisait le Mass Effect et Bethesda qui faisait les Elder Scrolls, mais en fait à part eux, il n'y avait pas grand monde qui faisait des jeux de rôle. Et on pensait que le jeu de rôle isométrique, et d'ailleurs pas que isométrique, aussi les Dungeon Crawlers par exemple, tout le jeu de rôle, hein, on pensait que c'était mort, même si en fait dans la dernière émission au début de l'année, on a vu que en fait cette mort du jeu de rôle, c'était juste une création des distributeurs, et c'était basé, c'est Josh Sawyer qui a rappelé ça, que c'était basé sur des vibes, voilà. Donc en fait il a fallu attendre 2011 pour que ce soit Legends of Grimrock qui montre que les jeux de rôle à l'ancienne pouvaient revenir, qu'ils avaient de la place dans la commercialisation des jeux vidéo et qui pouvait avoir du succès. Alors, Legend of Grimrock, c'était plutôt sous la forme du coup d'un dungeon crawler, mais ensuite, c'est vraiment en 2012, In Exile, qui a eu l'idée de passer par le financement participatif, de passer par Kickstarter, pour faire un vrai CRPG à l'ancienne. Ça a donné, là, Wasteland 2. À cette époque, ils ont eu l'idée parce qu'à cette époque, le financement participatif, il y avait une vraie bulle, en fait, du financement participatif, grâce à Double Fine qui était passé par Kickstarter, et donc il y a plein de RPG qui ont été financés comme ça, ce qui a donné le retour des RPG dans les bibliothèques Steam des gens, et montré qu'en fait les gens avaient toujours envie de jouer à des jeux de rôle. Arrive du coup Pillars of Eternity, qui a été kickstarté en septembre 2012 et pour lequel Obsidian a récolté 1 million de dollars rien que pendant la première journée, donc c'est vous dire à quel point il y avait de l'enthousiasme pour ce jeu. Il sort en mars 2015 et le succès est quand même au rendez-vous, même si il ne vend que 700 000 exemplaires en un an, le premier Pillars, ce qui n'est pas énorme pour un grand succès du jeu de rôle. Enfin voilà, Baldur's Gate 3 a vendu je sais pas combien de fois ça, mais beaucoup plus. Et à sa sortie, Pillars y reçoit aussi beaucoup de critiques qui sont bonnes, même si elles ne sont pas non plus étincelantes. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, sa perception, elle a pas mal changé. Alors, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat du premier Pillars of Eternity, quoi. Alors, ce serait intéressant de savoir, parce que c'est vrai que je pars aussi beaucoup de mon avis. Donc, confirmez-moi, mais de nos jours, en fait, j'ai l'impression qu'on parle surtout de Pillars of Eternity comme d'un jeu avec beaucoup de défauts, ce qui n'était pas forcément le cas en 2015 quand on parlait du jeu. Mais aujourd'hui, peut-être que, justement, ces défauts, ils ont commencé à prendre de l'importance par rapport à ses qualités, quoi. Y a-t-il une chance que le succès de Baldur's Gate 3 ne relance un intérêt pour les Pillars ? Peut-être, mais de toute façon, Obsidian a dit qu'ils ne referaient pas de Pillars tant qu'ils n'avaient pas compris pourquoi le 2 s'était planté, et ils ont toujours pas compris. Ils ne savent pas pourquoi le 2 a été un échec commercial comme ça. J'avais vraiment, vraiment été déçu par l'écriture boursouflée à l'époque, ouais, carrément. Le premier Pillars est presque trop old school, selon moi. Alors, voilà, ça c'est super intéressant, Darvec, parce que justement, moi ce que je voulais développer ici en vous en parlant, c'est que pour moi c'est pas tant un jeu avec des défauts qu'un jeu qui a raté le coche. C'est-à-dire que la promesse de Pillars of Eternity, c'était de faire un jeu exactement comme les jeux Infinity Engine de la fin des années 90, donc exactement comme les premiers Baldur's Gate et les Icewind Dale, et Planescape Torment aussi, mais qui était un jeu Infinity Engine, mais lui il a une place un peu à part, on voit bien que c'est pas à mettre sur le même plan que Icewind Dale.
Donc voilà, la promesse c'était de faire un jeu en temps réel posable où on dirige un groupe d'aventuriers pour une aventure qui peut être. Enfin voilà, qui aurait pu être un module classique de Donjons et Dragons en fait, avec tous les. Il y a tous les poncifs du jeu de rôle sur table et c'est voulu. Enfin, il y a des ours sauvages, il y a des vieilles qui sont en fait des sorcières, il y a des repères de voleurs dans des grottes, il y a des trésors derrière des cascades. Et des dialogues à rallonge évidemment, et un scénario global qui relève finalement quand même beaucoup du MacGuffin. Et du coup en 2015, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ne pas y avoir réfléchi plus que ça et à s'être dit bah oui, oui c'est bien, c'est ce que je voulais d'un jeu de rôle PC, je suis content d'y jouer, voilà. Mais le problème, c'est que cette renaissance du jeu de rôle grâce au financement participatif, elle a permis à plein de d'indés, comme je disais, de voir que les CRPG pouvaient avoir un succès commercial, et donc de se lancer dans le développement. Et donc en même temps, en fait, au même moment que Pillars of Eternity sortait, avec cette promesse d'un jeu qui était exactement comme avant, enfin voilà, qui est une promesse... d'immobilisme en fait, presque, de dire aux joueurs « Mais regardez, il n'y a rien qui n'a changé, qui a changé. » La même année, on a eu Underrail et Undertale, qui sont deux jeux de rôle indés très différents dans leur genre, et très différents de Pillars, qui n'ont pas du tout la même approche, la même philosophie du jeu de rôle, même si, notamment pour Underrail, on a un jeu de rôle qui est quand même un peu à l'ancienne, puisqu'il y a l'isométrique aussi. Juste après, on a eu Divinity Original Sin 2, on a eu le nouveau Torment, on a eu Battle Brothers, on a eu les Pathfinder, on a eu Kenshi, on a eu Kingdom Come, et ensuite on peut avancer jusqu'à Disco Elysium, Citizen Sleeper, enfin voilà, que des jeux qui se sont affranchis en fait du carcan des années 90 pour faire des RPG à leur propre sauce, quoi. Et d'ailleurs, je le développais déjà dans l'intro de mon thèse de Disco Elysium dans le CRPG Book, où je disais « Après 40 ans de jeux de rôle sur ordinateur, les joueurs et les développeurs croyaient fermement en une flopée de règles tacites. Les jeux de rôle étaient censés proposer des combats difficiles, des dialogues verbeux, des méchants sinistres, des coffres au trésor, un monde à sauver, et aucun discours politique. Pendant un certain temps, ça a plutôt bien fonctionné, et puis la sortie de Disco Elysium a bouleversé toutes ces attentes. » Puisque Disco Elysium fait exactement l'inverse de tout ça. Mais, donc ça, c'est ce que je disais à l'époque, mais bon, en fait, c'est évidemment très schématique comme résumé, parce qu'en fait, ça avait commencé déjà un peu avant Disco Elysium. Et justement, ce que j'ai voulu dire, c'est que... Enfin, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que, en voulant faire du classico-classique, Obsidian a aussi... oublier que le genre, enfin que le jeu de rôle avait le droit de continuer à évoluer, quoi. Qu'on avait le droit de retravailler les codes du genre pour que, enfin pour faire d'autres choses, quoi. Et un bon exemple, par exemple, c'est l'écriture du premier Pillars, qui a énormément de dialogues vraiment verbeux, comme on le disait dans le chat tout à l'heure. C'est vraiment long comme le bras. Avec ce qu'on appelait notamment des Lord Humps. Vous vous souvenez des Lord Humps? C'est-à-dire, donc, les Lord Humps, hein, c'est littéralement une façon d'expliquer le monde en vomissant des déluges d'informations sur le joueur qui n'a rien demandé, avec des dialogues, voilà, où tu cliques sur une réplique et t'as une fiche Wikipédia en retour, quoi. Et les Lord Humps, c'est justement un héritage, hein, des années 90, qui s'est fait vertement critiquer à partir de 2015, justement à partir de la sortie de Pillars. Ils n'ont pas trop eu de bol, parce qu'avant, personne disait « Oh, les Lord Humps, il faut arrêter », et après, par contre, beaucoup plus. Et d'ailleurs, on a réussi à s'en affranchir complètement. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeux qui sortent, de jeux de rôle en tout cas, qui sortent avec des Lord Humps, parce qu'ils savent que c'est une faute grave, en fait, quand tu fais un jeu de rôle de nos jours, quoi. Que les joueurs, maintenant, sont au courant que ça existe et qu'on peut faire autrement pour expliquer le monde que des Lord Humps. Je trouve le temps à El Posa, style Pierre de Venerity, très confiant en général, pas aidé par des règles inutilement compliquées à base de buffs et de debuffs peu clairs. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Le jeu m'a plutôt rappelé ce que j'avais pas trop aimé dans les jeux Infinity Engine. Et quand le 2 est arrivé, ben, j'avais plus envie. Ouais, bah, complètement, ouais. Ouais, c'est clair.
Moi, le premier Pillars m'avait déjà largué quand il a commencé à me parler des biwaks dans le premier dialogue. Aïe, aïe, ça, t'as pas tenu longtemps là, Alain. Hein. J'ai joué au 2 grâce à l'émission, je me suis pris une embuscade dans un village et j'ai lâché. Ah non, mais le 2, pour le coup, il a... Mais je vais en parler, j'ai noté que j'allais en parler, mais il a fait quand même bien mieux hein, que le 1, là-dessus. Voilà, dans... Et justement, avec cet exemple des Lord Dumps, en fait, dans les faits, Pillars, il a pas failli, on peut pas dire que les développeurs ont mal travaillé. Avec le recul, on voit qu'à partir de 2015, en fait, il y a une grande phase d'expérimentation et de renouveau qui se lance pour le jeu de rôle, bah, avec tous les titres que j'ai cités juste avant. Alors que lui, justement, bah, il a pas pris ce train-là, en fait. Il est resté bloqué, il est encore à la traîne, dans la nostalgie vraiment scrupuleusement fidèle à l'âge d'or des années 90. Et d'ailleurs, je pense que c'est... Bah, du coup, c'est pour ça que Deadfire, la suite donc, de Pillars of Eternity, s'est plantée 3 ans après, en 2018. Alors que, bah, voilà, comme je disais, Obsidian et Josh Sawyer, notamment, ils cherchent encore les raisons de l'échec commercial de ce jeu, qui méritait, pour le coup, de vendre plein d'exemplaires. Hein. C'est clair que c'était incroyable, Pillars of Eternity 2 Deadfire. Et d'ailleurs, je le citais dans une émission Ketamine en disant que c'était le plus beau jeu de rôle à isométrique, visuellement. Voilà, en plus il corrige plein de problèmes de son prédécesseur, il y a un univers vraiment original pour le coup, alors que l'univers de base des Pillars of Eternity est pas génial, mais là on est chez les pirates, donc c'est Donjons et Dragons chez les pirates, donc vraiment que demander de plus. Mais en fait en 2018, bah, on était déjà très avancé dans cette vague de renouveau du jeu de rôle, c'est un an seulement avant Disco Elysium. Et je crois que déjà à cette époque, le public avait compris qu'on pouvait avoir des choses un peu plus fraîches, en fait, un peu plus nouvelles. Bah, l'un des aspects, d'ailleurs, c'est peut-être un bon exemple, c'est le temps réel posable, qui était très démodé à l'époque, parce que ça, c'est vraiment l'héritage de l'Infinity Engine pur jus. Oh là là, je fatigue. Pillars of Eternity 2 Deadfire est sorti avec du temps réel posable, et en fait il a été ils ont rajouté le tour par tour après dans une mise à jour, tellement ils ont compris que ça ne prenait pas en fait avec les joueurs, mais parce que justement ils avaient peut-être pas fait ce travail en amont de se dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer dans le genre. Enfin voilà, et en plus c'est vrai que par rapport au premier, bah on peut dire au moins que l'existence de cette suite de Deadfire, qui est quand même bien, bien meilleure, n'aide pas à redorer le blason du premier Pillars, qui, du coup, en comparaison, apparaît vraiment encore pire, quoi. Mais c'était dans une démarche très conservatrice, il y avait un petit côté RPG pour les vrais bonhommes. Oui, c'était... Enfin, ils voulaient vraiment servir la niche... Des fans de l'Infinity Engine sans se rendre compte que cette niche était vraiment devenue minuscule et qu'il y avait plein de gens qui étaient clients de jeux de rôle dans ce style mais pas scrupuleusement fidèles au Infinity Engine, quoi. Ils voulaient clairement pas attirer des nouveaux joueurs, ils voulaient plutôt rameuter les anciens. Ouais, bah j'ai l'impression qu'ils ont essayé plus ça du coup avec Deadfire, mais avec le 1 c'est clairement c'est ça, mais c'est aussi il faut reconnaître que c'est aussi la faute au modèle de financement qu'ils avaient choisi, mais ils n'avaient pas vraiment le choix, hein, je pense, de choisir autre chose que ça. Quand tu fais un jeu sur Kickstarter, en faisant appel à la nostalgie des gens, bon bah oui, tu vas viser justement une frange très particulière des joueurs. Et derrière, bon bah c'est vrai que c'est plus dur d'innover et de dire bon finalement on a modernisé un peu le truc, hein, vous nous en voulez pas. On peut jouer au 2 sans avoir fait le 1, j'ai commencé à arrêter, recommencer, arrêter à nouveau le 1 de multiples fois. Moi je pense que le 1 il faut pas s'acharner, hein, vraiment c'est pas la peine, mais le 2 est vraiment génial. Pour le coup, moi je conseille vraiment, et c'est pas la peine d'avoir fait le 1. Il y a des liens, mais d'ailleurs ils sont expliqués au début, enfin voilà, c'est pas du tout un prérequis. C'était très bizarre, le leveling montrait des écrans très compliqués, mais qu'on pouvait skipper. Du coup, quel public il visait ? Ouais, c'est clair, c'est clair.
Bah, ils ont essayé de faire un peu les deux, quoi. Ils ont essayé de faire un jeu grand public avec, avec, avec un jeu old school. Mais ceci dit, bah, Enjolras, tu disais ça tout à l'heure dans le chat, et justement, je voulais le dire aussi, c'est que pour sa défense, on pourrait dire, bah, c'est parce qu'il a été là, et de façon un peu conservatrice, qu'on a pu s'en démarquer après. C'est grâce aux fondations solides qu'il a posées que le jeu de rôle a pu innover derrière. Peut-être qu'il fallait un jeu de rôle traditionnel pour peindre un genre de portrait en creux de ce qui était possible pour les CRPG, et qu'il fallait qu'il montre quelque chose pour que d'autres choses puissent se construire en opposition. On peut dire que voilà, on avait besoin de lui. Donc voilà, c'est un jeu qui a beaucoup de qualité hein, quand même, et je continuerai de le défendre, mais force est de constater qu'aujourd'hui il a horriblement mal vieilli hein, comparé aux autres jeux de l'époque, même les précédents comme Wasteland 2 qui est sorti 3 ans avant et qui aujourd'hui paraît beaucoup plus moderne en fait, justement parce que la promesse de Pillars c'était de refuser d'innover, donc ils ont tenu leur promesse, mais ils n'ont pas vu que le jeu vidéo de rôle, ça pouvait proposer autre chose que de la fidélité à l'Infinity Engine et être autre chose qu'un truc figé en l'an 2000, qu'on pouvait encore peut-être perfectionner cette formule, quoi. Je pense qu'ils ont aussi souffert d'une forme de déférence qu'il y a dans la communauté des amateurs de jeux de rôle envers les grands jeux des années 90, les Fallout, les Baldur's Gate, les Icewind Dale, les Neverwinter Nights, les Planescape. Ce sont des jeux qui sont tellement chéris par tout le monde, les Arcanum, etc., que il y a peut-être eu un moment dans les années 2000 et le début des années 2010 où c'était évident qu'on n'avait rien fait de mieux depuis et qu'on pourrait rien faire de mieux. On avait atteint le bout en fait, qu'on avait perfectionné au maximum les jeux de rôle, et que c'était pas la peine d'essayer de faire des choses nouvelles, parce que il y avait eu Fallout 2, il y avait eu Baldur's Gate 2, et que voilà, ça suffisait en fait. Donc je pense que dans les milieux rôlistes, il y avait beaucoup ça, peut-être pas forcément dans les milieux des développeurs, mais je pense que ça a forcément influencé aussi quelque part le choix d'Obsidian de se dire on refait un jeu comme ça alors. Voilà. Je pense que les développeurs sont ravis, ils ont été le marchepied un peu foireux mais utile pour s'élever vers d'autres sommets. Voilà. Va être content. Ils ont fait revivre une niche, je pense pas qu'ils voulaient plus. Si, je pense qu'ils voulaient de l'argent quand même. Je pense que quand même, c'était le concept. Bah, le 1, je pense qu'ils sont assez contents de comment il s'est vendu. Chez Obsidian, mais le 2, clairement, ils ont dit plein de fois qu'ils avaient le somme. Hein. Enfin, voilà, Josh Sawyer, lui, il a vraiment, vraiment eu le somme. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir Avowed plus tard dans l'année, qui est le nouveau jeu dans l'univers de Pillars of Eternity, mais qui est un peu différent, qui est en 3D, qui ressemble plus à un genre de Skyrim narratif. Bon, je le dis avec des énormes guillemets. Ce sera intéressant de voir s'il a du succès ou pas, et alors il en aura pas, mais ce serait intéressant d'arriver à déterminer quelle part de ce manque de succès est due à l'univers des Pillars of Eternity justement, parce que je pense que au-delà des mécaniques, au-delà des promesses, au-delà de la nostalgie, il y a quand même eu un problème avec l'univers des Pillars of Eternity qui était quand même pas terrible. Alors dans le 2, ils s'en sont sortis avec une pirouette en allant dans un endroit très précis qui était les tropiques, quoi, qui étaient les Caraïbes de cet univers-là. Mais sinon, à part ça, est-ce que vous avez envie de... Enfin, voilà, il y a plein de gens ici qui ont joué à Pillars 1 et Pillars 2. Est-ce que vous vous dites « Oh ouais, j'ai hâte qu'il y ait un autre jeu dans cet univers pour vraiment pouvoir l'explorer et aller voir les autres régions ?» J'ai pas l'impression, hein. C'est un univers vraiment, ouais, générique au possible, Scaro, comme tu dis. Hein. Ouais, Gilby, tu dis ça, bah écoute, tant mieux. We are dozens, c'est ça. Des douzaines.
voilà, ce qui est une réflexion qu'on se fait pour le coup, enfin qu'on a envie d'explorer le reste de l'univers, qu'on se fait pour d'autres jeux de rôle qui sont sortis à la même époque ou depuis, quoi. Enfin, voilà, Disco Elysium, évidemment, on se dit ça. Tu attends Avowed, très bien, très bien. Envie de réapprendre les 10 noms de chaque divinité du Panthéon pour comprendre de quoi il cause. Alors voilà, non mais ça c'est encore notre... Bon, alors, mais ça c'est très personnel, mais... Moi, c'est vrai que, en plus, ce qui m'a saoulé dans le 2, mais surtout dans le 1, c'est encore une histoire... Enfin, non, d'ailleurs, c'est eux qui ont lancé cette mode-là, j'ai l'impression. La mode des scénarios qui ne peuvent tourner qu'autour de la religion. Alors là, dans Pillar, c'est vraiment religion, 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 dieu, 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 déesse, déesse, déesse. C'est insupportable. C'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que Avowed, je l'attends pas, parce que je me dis... on va se rebouffer du dieu, mais à l'appel, quoi. Oui, pour le coup, c'est central à l'histoire. Ah oui, c'est central à l'histoire, central au monde même de Pillar. Enfin, voilà. Oui, t'as raison, Angel Rasp. Bah, le twist, c'est toujours les dieux sont des connards, en fait. Oui, c'est clair que c'est souvent ça. Même si le twist de Pillars 1, c'est pas exactement ça, mais pas loin, pas loin. Les terres mouvantes intrigues, bah c'est bien, c'est là qu'il y aura Avowed, justement. Ça se passe dans ce continent-là. Les Living Lands. Terres vivantes, je pense. Ah, Dragon Age, je l'avais déjà fait avant. J'avoue, je suis pas expert des Dragon Age, mais oui, c'est peut-être eux qui ont lancé la mode des religions, en fait. Ah là là là. Sauf Eotas. Je sais pas. Non, Avowed, c'est tout qui fait peur, tonton. C'est tout. Bon. Bah, écoutez, je crois qu'on va se quitter là-dessus.